Quando si dice un corridore va come una motocicletta, le biciclette truccate esistono e noi oggi abbiamo una prova. L'ho provata, vi posso dire che se io corressi con questa bicicletta potrei vincere delle tappe al Giro d'Italia nonostante io abbia 50 anni. E adesso vi facciamo vedere il meccanismo. Spingendo questo bottone si aziona il meccanismo. Come vedete la bici è apparentemente uguale a quelle tradizionali. Vai. Vedete? Va da sola. Non si ferma più, anzi va sempre più veloce la ruota. E adesso spingendo questo tasto posso bloccare la pedalata assistita. Come funziona questa bicicletta? C'è una batteria nel tubo vicino alle pedivelle, non si vede assolutamente niente e quando tu pedali e azioni questo bottoncino la bicicletta ti parte, è una roba impressionante. Proprio... Ma qual è la velocità massima? Ma io penso che io potrei andare a 60 all'ora con questa bicicletta in pianura. E qualche corridore l'ha usata? Chi ce l'ha data questa bicicletta ci ha detto di sì. Il motore ha una lunghezza di 22 cm ed è composto dall'unità di motore, un ingranaggio planetario e un innesto a ruota libera. Il motore viene inserito da sopra nel tubo verticale ed è innestato attraverso un ingranaggio conico in modo permanente sul perno della pedivella. L'ingranaggio viene montato in maniera che il perno originale della pedivella Shimano Holotech 2 non venga danneggiata. Circa 7 cm al di sopra del perno della pedivella il motore viene fissato con due viti da 4 mm. Questo garantisce un perfetto ingranaggio con la pedivella e quando il motore non è attivo, l'innesto a ruota libera fa sì che non ci sia nessun attrito. Premendo il pulsante per un secondo il motore si accende e premendo il pulsante una seconda volta il motore viene disattivato. Se si tiene premuto per 3 secondi è possibile memorizzare il giro di pedalate al minuto con le quali il motore l'assiste. Tra 30 e velocissime 90 pedalate al minuto tutto è possibile. Sotto 30 pedalate al minuto il motore dopo 3 secondi si spegne automaticamente. Premendo il pulsante per un secondo il motore tornerà ad assistire con il giro di pedalate memorizzato in precedenza. De voir des coureurs français qui gagnent et qui accélère et qui attaque de nouveau. C'est le petit Pichot qui est sorti là et c'est Fred Guénon qui est venu le rejoindre. Et c'est Cancellara, attention parce que Cancellara il va accélérer, Cancellara il va accélérer à gauche de la route, il a regardé, il n'y a personne, il est parti. Accélération de Cancellara à 50 km de l'arrivée. Il a bien senti Cancellara que c'est un terrain de première classe là, si ça ne bouge pas de suite, mais les trois hommes de tête sont peut-être partis et quand ils auront une minute, qui va rouler? Et Bonan il est loin parce que oui, avec les drapeaux bretons qui sont là, ou encore le Lion des Flandres qui sont là. Cancellara qui réduit un peu le Kemans qui ne peut pas prendre de relais. Ça peut profiter au retour de Tom Bonan, oui c'est vrai. Mais je ne suis pas sûr que le Kemans il peut prendre le relais. Je ne suis pas sûr que Cancellara va lui demander. Non, je ne pense pas. Et puis il prendra peut-être un relais par politesse, si c'est un garçon bien élevé, mais il n'a même pas intérêt à le faire. Cancellara, il est d'une telle facilité que déjà arriver, c'est énorme. Donc pour le Kemans, s'il reste... Dans la roue, bien c'est parfait, mais vous voyez déjà, il n'y est plus dans la roue. Kemans, quatrième, on le rappelle, du Paris en 2007, vainqueur notamment d'étape sur l'étoile de Bessèges. En 2007, vainqueur notamment d'étape sur l'étoile de Bessèges. Troisième du Saint-Marc en 2009, deuxième cette année d'à travers les Flandres. C'est donc un garçon qui est bien à cette période de l'année et qui aime les pavés, mais il ne peut pas
Il ne peut pas suivre Spartacus. Regardez, il est là, le Cummins derrière. Et il regarde le champion de Suisse en aller. Net liet passeren voor te kijken hoe goed is Bono, wat gebeurt hier eigenlijk allemaal. Is dat een tactische zet om straks eventueel iets te proberen? Ik ben benieuwd of Cancellara dat aandurft. Een aanval plaatsen op Bono die toch wel heel snedig lijkt. Ja, maar Cancellara kiest wel voor een lichtere tred. Maar het is nog te op het podium gaan komen. Hier komt dat steile strookje, 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 dat steile strookje. En hier moet Bono op de trappers. Cancellara gewoon in het zadel. Gaat hij inderdaad versnellen en gaat hij een poging doen om Bono eraf te rijden. En Bono geeft twee lengten. Bono geeft twee lengten. En weet dat hij die Cancellara niet mag laten rijden. Cancellara heeft nu een lengte of drie. Dit is pijnlijk, dit is pijnlijk. Hier, Cancellara weg. Op 15 kilometer van de aankomst. En als hij een gaatje heeft, dan rijdt er nog zelden iemand dat weer dicht. Met de kapelmuur nog op. Ook dat nog. Vlaanderen gaat heen.